probablement un agent des services secrets marocains Bensalah, un analphabète âgé d'au moins 82 ans président de l'Algérie. Un ami de Bouteflika est nommé par Bouteflika lui-même, sans doute un agent des services secrets marocains et du Mossad, beaucoup soupçonnent Bouteflika du meurtre de Boumediene. Cet agent secret marocain naturalisé algérien par Bouteflika, un agent du Mossad qui invite des Marocains comme lui à régner sur le peuple algérien et piller ses richesses. Chekib Khelil était bien un agent de la CIA comme Ould Kadour, tous des Marocains agents du Mossad comme leur chef Bouteflika. Et Gued Salah demande au peuple algérien de laisser une chance à ce gouvernement, une chance de quoi de voler et mépriser le peuple algérien comme depuis 1962 et surtout depuis la mort de Boumediene. Que va apporter un analphabète de 82 ans? Juste un guignol de plus, un menteur et un voleur marocain de plus. Il va avoir accès aux richesses du pays et aux secrets d'État pour les donner à Mohamed VI. Ce n'est pas avec des Marocains au pouvoir en Algérie que le peuple sahraoui risque d'accéder à l'indépendance. Comment se fait-il que le Maroc disposait de la liste des passagers de l'avion de l'ANP ayant fait 157 morts dont plusieurs sahraouis et ce bien avant les officiels algériens? Cela prouve une infiltration des services secrets marocains au plus haut niveau de l'État algérien.